Yo les gens, c'est Gwael, comment ça va? J'espère que vous êtes chaud. On se fait tout le topo pour Nico Minoru, vous commencez à connaître. On regarde tout ce qu'il y a à voir autour du perso pour voir à quel point les RS c'est intéressant ultimement sur ce perso plutôt qu'un autre. Donc Nico Minoru en HP, elle est 24e, elle a des plutôt bons HP, bien au-dessus de la moyenne là. Armure, elle est 20e, encore une fois bien au-dessus de la moyenne, c'est bien. Résistance un peu basse, vous voyez juste en dessous de la moyenne là. Et dégâts un petit peu au-dessus de la moyenne. Bon, rien d'intéressant à voir. Mais focalisation là, voilà. Première, meilleure focale du jeu. Probablement avec son propre buff. Vitesse 129. Ça, c'est complètement dingue. C'est excellent. C'est, vous voyez, la sixième meilleure vitesse de base du jeu sans tenir compte d'autres buffs. C'est quand même excellent. C'est un perso extrêmement rapide. Je crois que c'est le plus rapide, hein, on a dit, du trio Captain Marvel, Nico Minoru et Spider-Woman. 129, 128, 127 de vitesse, les trois persos. Donc, Nico Minoru, elle a des stats, ok. Elle a bon HP, bonne armure, la foca dingue. Okay. La foca dingue, mais c'est la foca. Et vitesse de ouf. Dégâts, voilà, dégâts un peu bof. C'est ça qui m'ennuie un peu, mais le reste est quand même très bon. En ce qui concerne HP, armure, vitesse, là, c'est assez bon. Et la foca première, donc. Perso intéressant, j'ai envie de dire, qui mérite son 4 RS, 5, peut-être pas, tu vois, parce que avec les RS, tu n'augmentes pas la vitesse, donc au final, il n'y a que les PV, l'armure qui compte, et cette foca qui est déjà ouf, qui n'en a pas forcément besoin, donc je dirais un bon 4 RS pour Nico Minoru, ça devrait aller, rien qu'au niveau des stats. Regarde les kappas, sa basique, elle envoie 270%, elle supprime blocage de soins et tous les étourdissements de l'allié ayant le plus de dégâts, ok, donc pas besoin de foca. Et en plus, on l'envoie attaquer la cible principale, très bien. À chaque utilisation de cette capa suivant la première, on lance aléatoirement un effet saignement. Donc, besoin de foca, défense augmentée, besoin de rien. Et on rend du soin, on rend des PV à soi ou à l'allié ayant le moins de vie de 15% de la vie max de Nico Minoru. Donc là, potentiellement, il y a les HP qui rentrent en compte. Okay, donc, sur cette basique, potentiellement, on a dégâts HP foca. Sur le spécial, ça va être un peu pareil, je crois. On attaque les cibles principales et adjacentes 250%, 2 saignements et on gagne 2 régénérations sur soi-même. Donc, besoin de foca ici pour appliquer 2 saignements sur potentiellement beaucoup de monde là, vu qu'on tape des adjacents. À chaque utilisation, suivant la première, obstruction, foca, indestructible, rien, et 2 contre aux alliés adjacents, besoin de rien. Ok, donc foca, dégâts sur cette capacité spéciale. Et sur cette ulti, 400% à tous les ennemis. Okay, donc les dégâts, c'est très très bien ici. On tape toute la team adverse. 400%, c'est un bon pourcentage. Donc des bons dégâts de base améliorés par les RS. Là, c'est intéressant. Là, ça m'intéresse. C'est quand même un perso qui tape pas mal de monde. Hein, entre son ulti qui tape toute la team, son spécial qui tape les adjacents, il flippe les effets bénéfiques en effet nuisible pour tous les effets suivants. Déviation, vitesse augmentée, défense augmentée. Convertis effets bénéfiques, nuisibles. Donc sur tous les ennemis, ok, donc besoin de foca, besoin de beaucoup de foca ici, et en attaque de guerre, si on a au moins 3 alliés à force, on met traumatisme et obstruction pendant 2 tours à la cible principale, à l'ennemi ayant le plus de vie et à celui ayant le plus de dégâts. Donc sur 3 personnes, potentiellement, tu vas appliquer 2 tours de trauma et obstruction. Donc besoin de foca, de ouf, sur cette capa. À chaque utilisation, en plus, on fait 2 esquives sur soi-même ou 2 déviations à soi et aux alliés, ça c'est génial. Ou on ressuscite un allié avec 20% de HP. Donc besoin de rien spécialement sur la capacité annexe, alternative. Mais de base, on a besoin de beaucoup de foca et de beaucoup de dégâts sur cet ulti. Même s'il a un gros cooldown qui sort potentiellement au premier tour, c'est très très vénère. Alors, avec son passif, 50% de drain de vie, ça c'est bien. 50% de foca, 40% de foca par allié à force. Oh, il n'y a pas besoin de foca bonus avec les RS1, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Ah oui, mais ça c'est son passif, voilà, qui lui donne 50% de foca en plus. C'est pour ça qu'elle a une foca de base monstrueuse. Et en plus, elle a 40% par allié à force. En plus, oh, c'est ouf. Et donc, elle n'a pas besoin de 5 RS au niveau de la foca, quoi. Elle devrait pouvoir poser tous les debuffs qu'elle veut tout le temps. 10% de HP max en plus pour elle et les alliés à force. Ok, en attaque de guerre, l'apparition, sauvegarde, immunité indestructible à l'allié à force ayant le plus de vie. Ça c'est très cool. À l'apparition, applique immunité indestructible à l'allié ayant le moins de vie.
Ouais, donc besoin de rien, ça c'est des buffs que tu poses sur les copains, besoin de rien. Mais voilà, ce que ce passif nous dit, c'est que t'as pas besoin de foca bonus, ok? Tout ce qui va t'intéresser ici, c'est des dégâts. Normalement, la foca, c'est réglé. Ici, t'as besoin de dégâts, c'est tout. Et ici, t'as besoin de dégâts et potentiellement un tout petit peu de HP. Voilà. Donc 4 RS, je pense que t'es bon avec ce perso, t'as tout ce qu'il te faut. 5 RS, évidemment, tu vas pas cracher dessus, et ton ulti, il devrait mettre des bonnes patates. Mais je pense que c'est pas hyper intéressant parce que de toute façon, elle a pas des dégâts de base monstrueux. Donc avoir plein de RS, ça va pas augmenter proportionnellement autant que par exemple sur Spider-Woman qui a des très très bons dégâts quoi. Voilà, c'est pas pour les dégâts que tu vas kiffer les RS sur ce perso, c'est pour avoir un peu plus de HP, un peu plus d'armure, donc pour survivre un peu mieux, c'est cool. La foca, normalement, t'as ce qu'il faut de base, parce que t'as une foca de dingue de base que, sur laquelle tu mets 50%, sur laquelle tu mets encore plus grâce à tes alliés, enfin, ça devrait aller au niveau de la foca. Donc ouais, un bon 4 RS, et 5, pourquoi pas, quoi. Mais 4, je pense que ça suffit, je pense que t'es large. Normalement, ça devrait passer au niveau de la foca. Hein. Si tu as 4 yellow, 4 RS sur le perso, à mon avis, un niveau d'équipement suffisant, tu fais ce que tu veux. Bon, on va passer au RS. Alors, on est in-game sur des petites orbes de Nico Minoru pour se chauffer. On va ouvrir les RS et ensuite on ira voir un petit peu les T4 et les ISO. On commence avec un petit peu de bleu par-ci. De vert par là, petit peu de violet ou de doré, non? Ça fait longtemps. Petit 8, allez, du bleu à 20, non, un petit 12. Et du vert à 8, et du vert à 8, c'est pas mal. Allez, 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 du vert. Du vert à 6, ce qui nous fait un petit total de 64, c'est pas mal. Ça fait 8 de moyenne, un truc comme ça. C'est pas dégueulasse. On va partir sur les RS. 5 RS, ça m'ennuie un peu. Je préfère regarder sur les persos qui arrivent, sachant qu'il y a du Gambit, la team Unlimited X-Men. Il va y avoir, on le sait maintenant, Rogue, cavalier de la famine, cavalier d'Apocalypse dans l'équipe. Donc ça va être une équipe excellente. Ça va être une équipe vraiment monstrueuse, je pense, pour l'épreuve cosmique et potentiellement pour d'autres modes de jeu, comme la guerre d'Alliance ou autre. Donc je pense que voilà, j'ai envie d'envoyer un peu plus, hein, comme vous, je pense, sur la team Unlimited X-Men que sur la A-Force. Donc je pense que ces Elite 5, Elite 6 et autres Elite 7, on va garder pour des persos Unlimited X-Men. Sur Nico Minoru, on va partir sur de l'Elite 4. On va se mettre bien et on est parti avec un petit 4 sur vautour. Voilà, ça m'apprendra à pas mouliner. On va se lancer sur des petites orbes. Alors, on est reparti sur des orbes normales. On a bientôt une élite 4, ça devrait aller vite. Un petit 2 comme as. Un petit 2 comme as. Ah, bah voilà, 2 sur Nico Minoru. C'est une base. Et on a une élite 4. On est parti, Nico Minoru. Bon, il y en a un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Silver Samurai, je dois avoir 6. Ça me donne envie d'ouvrir une petite élite 5 pour le principe, mais non, il ne faut pas craquer. Faut pas faire cette erreur. 4, ça va suffire pour Nico Minoru. On a dit. De toute façon, c'est pas une équipe qui nous intéresse autant. Alors, il nous faut quand même un petit 3-4 là sur Nico Minoru, s'il vous plaît. Alors qu'on grind pour choper des élites 4. Un peu de bleu sur Miss Marvel. Ça fait monter les crédits élites 4 plus vite. C'est bien. Peu de vert sur Ronan. Ça, c'est de la Agatha. Du doublon, évidemment. Peu de vert sur le. Petit 4. Sur notre petite Négasonic, ça fait des crédits Elite 4. Petit 3 sur Sinister, c'est gras. Et petit 3 sur un assassin de la main, je crois. Alors, on est reparti sur une Elite 4. On n'oublie pas de mouliner un petit peu. Et c'est parti, Elite 4, 5, 6, 7.
sur Nico Minoru. C'est du Namor. Namor qui fait du Crédit Elite 5. On est reparti sur les RS normales. On a un bon stock, on va se faire plaisir. C'est l'heure. Un petit peu de Femme Invisible. Ça, c'est Kate Bishop. Un petit peu de Storm qui a été Cavalière de l'Apocalypse. Entre autres dans le film X-Men Dark Phoenix, je crois. Non ? X-Men Apocalypse, pardon. Alors, on a demi Elite 4. Ouais, un petit 1 sur Nico Minoru. 3, c'est une upgrade. Alors, on a bientôt 60% là, d'une Elite 4. On continue. Allez, petit Ben. Et ouais, du Falcon, 4000. Un peu de Ronan. Pour se remettre dedans, Nico Minoru à 2, un petit Filavel et un petit Domino. On est reparti sur une Elite 4, on n'oublie pas de mouliner. J'espère que vous moulinez chez vous aussi. Mettez un petit like là. 4, 5, 6, 7, Nico Minoru, go! C'est du Black Bolt, ça fait du Crédit Elite 5. Petit Venom. Un Shocker, dommage. Bleu. Sur Kit Pride. L'assassin de la main. Encore lui. Encore elle. 2004. Un peu de Ella. Et. Dommage. X-Bones. Allez. 4 sur Shuri. Un peu de vert sur Squirrel Girl. Et ça fait une Elite 4. 4, 5, 6, 7 sur Nico Minoru pour vous maintenant. Non. Scarlet Spider. Il en reste 109. J'ai le temps, hein. Mon cœur, il commence à battre, mais j'ai de la marge. Vas-y, c'est quoi ça? 2 là-dessus. Un peu de bleu, ouais. Je l'ai déjà à 3. Un peu de bleu, ça commence à m'agacer, tu vois. Un peu de vert. Ouais. Très bien. Du vert. Un peu de vert. Un peu de bleu. Un 3. Un peu de vert. Sur Spider-Woman. Vert, un peu de vert et du bleu, même à Frost et du bleu, Spider-Man et du vert, Nico Minoru et une Elite 4. J'ai le cœur qui bat, hein. ça commence à pump là. Bon, on mouline deux secondes. Contre-moulinage, envers moulinage, on met des petits fins de moulinage, et 4, 5, 6, 7 sur Nico Minoru pour vous ce soir. Merci, bisous. Non. Mon fils qui dit non comme ça. Non. 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 On continue. J'ai que ça à foutre. Le bébé s'est pas réveillé. Allez, allez. C'est bon, j'ai pas craqué. J'ai réussi à pas craquer sur les élites 5, tu vois. J'ai pas niqué des élites. J'ai pas ouvert des élites 5. J'ai ouvert que des orbes normales. On a éclaté le stock. Il n'y a pas de stock d'élite 4, mais on commence à avoir un bon stock d'élite 5. Il y a de l'élite 6, de l'élite 7. Donc, dès qu'il va y avoir un perso chamé, on devrait pouvoir se faire plaisir. Genre Gambit. Hint. Alors, donc ça c'est 4 sur Nico Minoru dans les orbes d'étoiles rouges. Alors, notre petite Nico. On la recrute. On la passe. Voilà, bah, les 3 RS, ça y est. On va la level up un peu. Je vous mets en accéléré. Je vous reprends juste après. On parle ISO et T4. A toutes.
Parlons peu, parlons bien des ISO pour commencer. À vrai dire, moi j'ai envie de tester Raider. Je pense pas que ce soit l'idéal. Je suis intéressé par Soigneur aussi, je pense pas que ce soit l'idéal. C'est peut-être Skirmisher, c'est peut-être Tirailleur le meilleur parce que voilà, tu peux supprimer des buffs gratuitement en faisant des attaques en plus de poser des vulnérables, etc. Évidemment, c'est très utile pour les alliés. Et en plus, tu as de la foca bonus. Donc, tout ça, c'est pas perdu, tu vois. Ça marche plutôt bien sur le perso, je pense. Donc, je pense que le meilleur, c'est Skirmisher. Mais j'ai envie de mettre Fantassin parce que je pense que tu vas faire tour 1 ulti sur toute la team. Et c'est très intéressant potentiellement de faire des crits partout, de faire parce qu'elle a du drain et tout, donc plus elle va mettre de dégâts sur ces trucs, plus elle va drainer, elle va repasser full life, je pense, avec cette capa, si elle n'est pas blocage de soin sur la tronche. Ensuite, tour 2, tu fais ce spécial qui tape en zone. Moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, Tirailleur, c'est peut-être le choix sûr. Je pense que c'est le choix safe et potentiellement le meilleur. Soigneur m'intéresse, Soigneur m'intrigue un peu sur ce perso parce que il y a un peu de soin potentiellement avec cette basique que je viens de dire, tu vas peut-être faire une fois, deux fois, trois fois dans le combat. Donc tu vas peut-être de temps en temps soigner avec, mais ça me semble tellement mineur que c'est pas pour ça que l'ISO Soigneur va être intéressant sur elle. C'est parce que elle a des HP décents et que bah voilà, un ISO attaquant, c'est pas très intéressant sur elle parce que elle a pas des dégâts de ouf, mais elle a une attaque ISO intéressante. Donc peut-être que c'est le bon ISO finalement attaquant aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres persos beaucoup plus intéressants sur lesquels mettre ISO attaquant dans la team? Et je pense que si. Donc c'est pas forcément le meilleur attaquant de l'équipe pour autre chose que son ISO, cette Nico Minoru. Donc par extension, c'est pas forcément le meilleur attaquant de l'équipe, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités sur cette Nico Minoru finalement. Moi, je pense que moi, j'ai pas envie de mettre attaquant parce que j'ai d'autres meilleurs attaquants dans mon équipe. J'ai envie de mettre potentiellement soigneur parce que j'ai pas de soigneur dans mon équipe. Et j'ai envie de mettre raider parce que j'ai envie de mettre des vulnérables, faire des crits. Elle a les capacités qui s'y prêtent sur ces deux premiers tours en tout cas. Et autrement, c'est skirmisher, tirailleur, qui est potentiellement le choix le plus safe que je vous recommande probablement à l'heure actuelle. Mais faites-vous plaisir, testez Fantassin comme moi, on va mettre la sauce. On regarde les T4, assez tergiversés sur ces ISO. Une basique, tu augmentes de 60% les dégâts, c'est nul, on oublie tout de suite. Le spécial, on augmente de 40% les dégâts sur la cible principale et les adjacents, et on gagne deux régénérations au lieu d'une régénération. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est une capa qui sort, bon, tour 2. Tu rajoutes 40% sur au moins une, si, peut-être 2, peut-être 3, peut-être plus. Bon, c'est pas ouf parce qu'elle a pas des dégâts de base incroyables. Donc c'est passable, tu vois, c'est très très optionnel. C'est pas mauvais, hein. C'est moins nul que la basique. La basique, c'est vraiment nul. C'est vraiment très très nul. Cette ulti, tu mets 50% de plus à tous les ennemis. Et en attaque de guerre d'alliance, c'est là que tu mets traumatisme et obstruction pendant deux tours sur la cible principale. Et tu fais la même chose sur une cible supplémentaire en mettant cette capacité au maximum. Donc ouais, cette ulti, ouais, obligatoire. Obligatoire parce que, tu vois, il y a trop de texte là, ça veut dire que c'est fort. Non mais voilà, en gros, tu vas trauma et obstruction sur deux cibles au lieu d'une. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. En plus, tu le fais tour 1, cette ulti, donc go direct, no brain. Le passif, probablement. Ah ouais, il n'y a pas les drains. Il n'y a pas le drain sinon. Tu mets sauvegarde en plus. Donc ce passif, à voir. Mais moi, il m'intéresse beaucoup. Je vais probablement le faire assez vite. Pour la sauvegarde, qui est sympa, mais surtout pour le drain, qui, je pense, peut être important. Bon, je verrai si j'en ai besoin, mais à l'heure actuelle, je le trouve pas obligatoire. Je le trouve optionnel plus, optionnel très haut. Voilà, mais j'ai quand même envie de le faire. Il me semble peut-être en bas des obligatoires. Ce petit passif. J'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Je suis pas pressé. Je suis pas archi pressé. J'ai envie de tester le perso sans. Bref, on a parlé ISO, on a parlé T4, on a parlé de la petite Nico Minoru.
Et j'ai pas eu d'upgrade, je crois, avec les RS, à part ça aujourd'hui. Donc, on va se terminer cette petite session qui est déjà beaucoup trop longue. Merci beaucoup pour votre attention. Un petit like, un commentaire, un abonnement, une cloche si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy! Ciao!